Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui. J'ai un peu la tête de mort, pourtant je suis maquillée. Il est 7h05 en fait et ça fait 2 jours que j'ai pas vlogué parce que, comme vous le savez, je suis en stage cette semaine et c'est très compliqué parce que je commence à 8h30, je termine à 17h et du coup, qui dit commencer à 8h30 avec 20 minutes de route, faut que je dépose des enfants à 8h à la péri. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué, ça dure que 3 jours, c'est pas très grave mais c'est vrai que je passe mes journées à courir, d'autant que ça fait 2 jours que je suis en stage et ça fait 2 jours en fait que je laisse, que j'ai des choses à faire le soir après le travail. Donc du coup, je rentre à la maison, mais pour récupérer, par exemple, mardi j'avais mon drive à récupérer, sauf que en fait, moi je travaille là-bas et mon drive il est là-bas, donc il y a 20 minutes par là, 20 minutes par là. Donc forcément, j'ai passé beaucoup de temps dans la voiture. Et le temps d'aller chercher le drive, fallait que je mette de l'essence, que j'aille au distributeur, que je rentre. Il était déjà tard. Eric était là, par contre, il était passé voir les enfants. Du coup, il est resté manger avec nous et il est revenu hier après-midi pour rester avec Elsa, puisque moi, je travaillais en fait. Lui, il était de matin, donc il est sorti à 13h et il est venu rejoindre Elsa à la maison. Pour rester avec elle l'après-midi, du coup, parce que sinon elle passait l'après-midi toute seule et j'avoue que c'était sa première fois et elle était un petit peu anxieuse. Donc, vu que Eric était de matin, il m'a proposé de passer l'après-midi avec elle, donc c'est très bien. Et puis, il est reparti hier soir, il est venu avec moi chercher les gars au centre de loisirs, c'était leur première fois aussi, ils angoissaient pas mal aussi, donc ils voulaient que papa soit là pour la sortie, donc il est venu avec moi. Et puis, dès qu'on les a récupérés, il est reparti parce qu'il avait des choses à faire. Nous, on est rentrés à la maison. Puis finalement, on est reparti parce que, en fait, Elsa m'a demandé pour avoir un manteau parce qu'elle avait une petite veste en cuir qu'Anaïs lui prêtait, mais en fait, elle a froid. Donc, on est allé lui acheter un manteau. Et quitte à être dans le magasin, j'en ai profité pour prendre celui de Côme. Et également, puisque Côme n'a pas de manteau pour l'hiver, sa doudoune, elle était vraiment trop abîmée. Il l'a déjà porté toute l'année dernière. Et puis, c'était une doudoune qu'on m'avait déjà donnée. Donc, on a été lui acheter un manteau aussi. Et puis, on est allé faire des petites courses chez Leclerc. Alors, quand je dis petite, c'est vraiment petite. On est allé acheter de la pizza pour manger hier soir parce que du coup, voilà. On a perdu du temps à devoir aller en course et du coup les pizzas ça va vite et on a mangé pizza et puis on est allé se coucher tous en fait. Hier soir la soirée était un peu mouvementée donc puis moi je suis fatiguée, enfin je pense que ça se voit sur mon visage mais ouais je suis vraiment fatiguée. J'ai besoin que mon corps reprenne le rythme, hein, c'est normal. Donc là il est bientôt 7h, il faut que j'aille réveiller les enfants. Donc voilà, je vous faisais juste une petite vidéo rapide pour vous donner des nouvelles, vous expliquer pourquoi je n'avais pas vlogué. C'est tout simplement que en fait le matin je pars très tôt. Et du coup, dans l'organisation, j'y pense pas tout de suite. En fait, quand j'y pense, je suis arrivée au boulot. Le midi, je mange dans mon bureau, donc je vais pas vlogger dans l'entreprise, hein, ça me ferait bizarre. Et puis je suis jamais toute seule en plus. Et le soir quand je rentre, c'est la course, quoi. Donc si je vlog, ça va être le soir vers 21h et ça va être pour faire des vidéos courtes comme celle-ci, puisque là elle va vraiment pas être longue parce que j'ai pas le temps de faire mieux que ça, en tout cas jusqu'à ce soir. À partir de demain, je vais reprendre mes vlogs, mais là aujourd'hui, je pense que je vais vous refaire je vais essayer de vlogger quand même un petit peu aujourd'hui, surtout que je n'ai rien de prévu en sortant du travail. Donc je vais juste aller chercher les enfants à la péri, on va rentrer à la maison, faire les leçons, faire notre soirée normale. Et j'en ai besoin là, parce que la course après le boulot, c'est juste compliqué. En tout cas, pour vous donner des nouvelles de mon stage, ça se passe mais merveilleusement bien. J'ai été accueillie mais super bien, mes collègues sont très très sympas. Je suis vraiment très très contente, je suis extrêmement déçue que ça ne dure que 3 jours parce que vraiment c'est une super expérience pour moi. En plus je suis censée être en stage mais en fait je travaille avec eux et ils me donnent des trucs, enfin ils m'apprennent des trucs en fait
Moi, je voulais me réorienter dans la comptabilité et en fait, j'ai été affectée à la comptabilité, donc je suis trop contente. Donc, j'ai appris à codifier des factures. Alors, je savais le faire, mais il y a très longtemps et je m'en souvenais plus trop. Et donc, là, j'ai codifié les factures, je les ai enregistrées en compte. Enfin, ça m'avait manqué en fait. Enregistrer la facture, enregistrer la TVA, enregistrer le compte de compte tiers, enfin tout ça, c'était des choses que j'ai apprises mais que j'avais oubliées. Et la TVA récupérable et tout ça, enfin voilà. Donc j'ai révisé plein de trucs, c'est super agréable pour moi. Et hier j'ai travaillé avec la RH, donc j'ai fait enfin j'ai pas fait les déclarations d'embauche, mais j'ai fait les enregistrements. J'ai traité les arrêts maladie. Puis bah après j'ai fait du classement aussi. Et, enfin franchement, j'ai pas le job le plus intéressant du monde, hein, il faut le dire. Mais le simple fait de retravailler là-dedans, franchement, ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà. Donc je suis très contente. Donc je vais essayer de vloguer là. On va faire une ouverture avec les enfants au petit déj. Et puis je verrai si le reste de la journée j'arrive à tenir. Au pire des cas, vous aurez une ouverture, une clôture. Au pire, mais au moins il y aura une petite vidéo. Et mais là, il faut que j'aille réveiller les enfants. J'ai encore très mal à la gorge ce matin. On devait passer à la pharmacie hier soir, on a encore oublié. Peut-être que je m'arrêterai en rentrant du. Il y en a une sur mon trajet quand je rentre du travail. Peut-être que je m'arrêterai ce soir. Parce que moi j'ai besoin de pastilles pour la gorge et les filles elles ont une verrue plantaire toutes les deux, donc il faut qu'on prenne un truc pour les verrues. Voilà. Bon bah sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. je suis désolée pour le temps de vidéo, c'est vraiment pas très long. Mais voilà, c'était juste pour vous donner des nouvelles, pour vous présenter mes excuses pour le manque de vlog de ces deux derniers jours. Et puis pour vous dire que voilà, la reprise se fait aujourd'hui, au plus tard demain. La reprise à temps plein. Voilà. Bon, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.